travailler, moi je me repose, mais vous tournez la courroie dans son galet. Ma corde s'enroule et là, le sac est mort. Et dès que ça se ferme, vous pouvez relâcher. À la Normande, non, au Breton, oui. Oh, non, mais de toute façon, c'est pareil, c'est. On rigole plus qu'autre chose. Alors que ça a 166 ans. C'est très simple et très efficace. De quoi la meule, ça va faire. Ah là, elle fait une tonne à peu près. Hein. Une tonne. Ouais, une tonne chacune. Oui, il faut au moins ça pour étaler ça. Ah, il faut ça, il faut un poids, et puis après, il faut qu'elle soit assez rêche. Donc on les retaille tous les 4 mois à peu près pour leur donner une accroche. Pour exposer le grain pour en sortir un maximum de farine. Si les ailes accélèrent, les boules vont s'écarter avec la force centrifuge, monter ou descendre. Et quand elles montent, la petite barre elle monte en même temps, regardez. Ça monte ou ça descend. Et quand ça monte, cette barre-là, elle me suit, je vous vois, mais elle me pousse cette partie vers le haut. Et la ficelle ici, elle traverse le plancher et est reliée à la tête de cheval, la petite boutière où s'écoule le grain. Si ça monte, la ficelle se détend. Mon cheval se baisse, plus de vent, plus de vin. Et inversement. En fait, son travail à lui, c'est juste pour lui. Thank you.